Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de magie, très simple à réaliser, mais qui fait son effet. Donc, je vais vous le présenter, puis ensuite vous l'expliquer. Donc, c'est parti. Donc, voilà, j'ai mon ticket. Voilà, comme ceci. Je peux le couper si vous voulez. Là, là, voilà. Maintenant, je vais vous demander de choisir une carte. Bon, là, je suis tout seul, je vais le faire à la place. Mettons celle-ci. Donc je ne la regarde pas. Voilà. Et je la pose sur le dessus du paquet. Hein, je ne triche pas. Regardez, c'est bien la vôtre. Donc maintenant, je vais mélanger le paquet. Voilà. Et alors là, maintenant, regardez. Si je me concentre bien. Et bien normalement, regardez, votre carte, je pense, se lève. Maintenant, je l'arrête et je vais apprendre. Et là, je pense que c'est votre carte. Donc, pour les explications, c'est très simple. Vous prenez un paquet tout à fait normal que vous pouvez emprunter à quelqu'un. Vous pouvez le mélanger comme ceci devant le spectateur ou lui demander de le mélanger lui-même. De couper, ça n'a aucune importance. Ensuite, vous lui demandez de choisir une carte. Donc là, mettons que je choisis celle-ci. C'est l'as de trèfle. Voilà. Si vous prenez sa carte sans la regarder et vous la posez sur le dessus du paquet. Donc jusque là, rien de spécial à faire. Et ensuite, c'est là que tout le tour va se faire. Vous allez faire semblant de mélanger, mais vous allez quand même mélanger. Mais vous allez tirer une partie de devant. Du dessus, une partie du dessous, pour garder en première position l'as de trèfle, la carte choisie. Et ensuite, vous continuez à mélanger. Donc normalement, on prend juste la première et la dernière carte à peu près, mais moi je trouve que c'est trop voyant, qu'on risque de voir la carte du spectateur, et donc le spectateur risque de comprendre le tour. Donc moi, c'est pour ça que je prends des paquets, et là, le spectateur n'y voit rien. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous tenez votre paquet comme ceci, avec vos deux doigts là et votre pouce, sans trop serrer avec votre pouce. Et avec votre index, vous allez venir là pour pousser la carte, qui est la carte du spectateur. Donc, je répète, on est là, on tient assez mais pas trop fort, ou au pire, vous pouvez déjà la décaler un petit peu. Et là, vous inventez votre truc, par la pensée, claquement de doigts, prend un cheveu imaginaire, on tire dessus. Et il y a la carte qui sort. Ensuite, vous prenez la carte et vous faites attention de ne pas laisser votre doigt là. Il faut que ça fasse comme ceci, par exemple. Et quand vous la prenez, vous le remettez là. Ce qui fait que le spectateur n'y voit que du feu. Donc, je peux le refaire si vous voulez une fois. Mettons voilà, celle-là. Donc là, c'est l'as de cœur. On la pose sur le dessus du paquet. On mélange bien en gardant l'as de cœur au-dessus du paquet, comme ceci. Vous voyez, il est toujours là. Et après ça, vous prenez votre paquet comme ceci et vous poussez la première carte. Vous la prenez en enlevant votre doigt. Et voilà. Et le tour est fini. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et salut à tous.